Quand j'enregistre les aboiements de Cusco, je comprends tout ce qu'il dit. Waouh ! On dirait que ta caméra a des pouvoirs magiques. Génial ! Qu'essaie-t-il de nous dire ? Écoutons-le. Oh, aidez-moi, que pouvez-vous faire pour retrouver mes petits frères ? Nous étions toujours ensemble, nous voilà séparés. Les frères de Cusco ont disparu. Ils nous demandent de l'aide. Raconte-nous ce qui leur est arrivé, Cusco. C'est dans une boîte que mes frères vivaient. Je leur apportais à manger et des chaussettes pour jouer. Cusco va t'aider à les retrouver. Veux-tu partir à la recherche des petits chiens avec Pablo et moi? Great! Let's go, let's go, let's sauvons les petits chiens. En route, allons, let's go, viens avec nous, viens. Tous ensemble, on va sauver les petits chiens. Et ce n'est pas celle d'un petit chien. Je dirais même que c'est celle d'un très gros chien. Est-ce que c'est un chien? Mais non, c'est Kate. Attends, Kate! Courez! Kate, pourquoi cours-tu si vite? Les chats! Qu'est-ce qu'elle a dit? Des chats! Regardez, ils poursuivent Kate et le petit chien! Comment pourrait-on se débarrasser de ces vilains matous? Eh bien, les chats n'aiment pas l'eau! Génial! Dommage qu'il ne pleuve pas aujourd'hui! Ça peut s'arranger, Pablo! Comment ça? Grâce à mon bracelet magique! Si on veut faire tomber de la pluie, quelle breloque je dois activer? Right, a cloud! Pour se mettre en action, le nuage a besoin qu'on l'appelle Magic Cloud! Peux-tu dire avec moi Magic Cloud? Tout à fait, c'est ça, tous ensemble! Magic Cloud! Encore une fois, Magic Cloud! Ça a marché! Thanks, Cloud! Bien joué, yes, Do. Very good job. Le dernier petit chien va vers la pyramide. Vois-tu une pyramide? Yes, there it is. C'est lui qu'on entend japper. Tiens bon, on arrive, Puppy. Aya, peux-tu l'aider à sortir? Yes, of course. Le petit chien dans la pyramide s'est égaré. Il faut que nous l'aidions à se repérer. Je suis le soleil, il est jaune et il brille. Le soleil est-il à gauche ou à droite? Oui, à droite. Suis le soleil, Pirito. Cours, 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 Pirito. Cours, 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 petit chien. Cours, 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 Pirito. Cours, plus vite, petit chien. Tu te débrouilles bien, mais faut pas que tu flanches. Ce n'est que le début, faut que tu avances. Suis bien la lune, elle est ronde et blanche. La lune est-elle à gauche ou à droite? Oui, à gauche. Suis la lune, Pirito. Cours, 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 Pirito. Cours, plus vite, petit chien. Il faut éviter les pièges, prends garde. Écoute bien ce que dit la placarte. Cours vers l'étoile, que rien ne t'en écarte. L'étoile est-elle à gauche ou à droite? Oui, à droite. L'étoile est sur ta droite, Pirito. Cours, 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 Pirito. Cours, plus vite, petit chien. Ça y est, le dernier petit chien est sorti de la pyramide. Good job. Nous avons retrouvé le dernier petit chien. All right. Nice job. Génial. Non, regardez comme ils sont contents.
On a un gros problème. Le grand méchant loup a détruit nos maisons et maintenant il se dirige vers la tienne. Le loup se dirige par ici, vous en êtes sûr et certain? Oui, sûr et certain. On l'a vu de nos yeux vus. Oh, je n'aime pas ça. Vous savez, une maison de briques, c'est solide, ça résiste au souffle d'un loup. Mais la mienne n'est pas tout à fait terminée. Et je n'ai plus de briques pour la finir. Ne t'en fais pas, petit cochon, nous sommes là. Nous t'apportons des briques. Mais, je n'ai plus de colle non plus. Oh non, c'est trop bête. Pas de problème, avec un bon glaçage, les briques tiendront en place. Oh oui, quelle bonne idée. Au travail, aidez-moi vite à terminer ma maison. Est-ce que ma maison est terminée? Non, il manque une brique au-dessus de la porte. Encore une brique, please. Ça y est, merci les amis, ma maison est terminée. Et elle a l'air très solide, petit cochon. Oh, il était temps, regarde, voilà le grand méchant loup. Vite, réfugions-nous à l'intérieur. Dépêchons-nous. Petit cochon, gentil cochon, ouvrez-moi la porte. Non, non et non, par le poil de nos mentons. J'adore ce passage. Alors, je vais gonfler mes joues et souffler de toutes mes forces. Ça marche d'habitude. Je ne sais pas nager. Au secours, je me noie. Le loup a besoin d'aide. Il faut aller à son secours. Suivez-moi. Qu'est-ce qui pourrait servir de bouée? Les boutons de petits biscuits. Ils sont en guimauve extensible et ils flottent. Ça devrait faire l'affaire. Il faudrait l'attacher à une corde pour sortir le loup de l'eau. On n'a qu'à utiliser les longs cheveux de Réponse. Je les ai tressés avec des fils extra solides. Aide-nous à appeler Réponse. Allez, ouh, Réponse! Prête-nous ta chevelure, Réponse. Attrape la bouée, grand méchant loup! Aide-nous à le sortir de l'eau. Allez, attrape la corde avec nous et... tire! 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 Tu as beaucoup de force! Non, n'approchez pas, laissez-le respirer. Grand méchant loup, est-ce que tu te sens bien? Oh oui, ça va, mais je ne comprends pas pourquoi vous m'avez sauvé alors que j'ai tenté de détruire la maison du petit cochon. Je me sens honteux. Je suis désolé. Je n'allais pas te laisser te noyer. Il faut s'entraider entre amis. Ça sert aussi à ça, l'amitié. Friends help friends. Tu me parles d'amitié? Mais alors, je pourrais être votre ami? À condition que tu arrêtes de souffler sur nos maisons. Et que tu te montres très gentil avec nous. Oui, on voudra, c'est sûr et certain, devenir tes copains. S'il te faut de l'aide, on t'aidera. Et je vous aiderai. C'est ça l'amitié. Et quoi qu'il nous arrive, notre meilleur atout, c'est d'être ensemble. Car ensemble, nous sommes plus forts que tout, mes amis. Entre amis, faut s'entraider. Friends help friends. Chante avec nous. Entre amis, faut s'entraider. Friends help friends. Il faut s'entraider entre amis. Ça me plaît bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pourrais-tu souffler sur nos maisons pour les redresser? Please, s'il te plaît! Vos désirs sont des ordres, mais je vais avoir besoin d'aide. Aidons le loup à souffler sur les maisons des cochons pour les redresser. Nous allons devoir gonfler nos joues et souffler très fort. Es-tu prêt à souffler de toutes tes forces avec nous? Génial! Attention! Inspire et souffle très fort! Il n'y a pas de quoi, vraiment. Look, mes amis sont juste devant. Où sont-elles? Je ne les vois pas. Et toi?
Est-ce que tu vois les fées qui ont pris nos marshmallows? Oui, elles sont tout là-haut, au sommet de la montagne. Come on, let's go! Allons récupérer nos marshmallows. Et faisons griller des s'mores pour Alana. J'ai de plus en plus envie d'y goûter. Oh oh, qu'est-ce qu'elles font? On dirait qu'elles... Elles jettent les marshmallows dans un trou. Ils sont très bons, mes marshmallows. Pourquoi est-ce que vous les gaspillez? Oh, on ne les gaspille pas, Pablo. Look! À qui les fées jettent-elles les marshmallows? Au dragon! Oh non! Ils crachent du feu pour les faire griller. Mais c'est terrible! Reconnais que t'aimerais bien pouvoir en faire autant. Ils ne mangent que ça. Attends une seconde, c'est lui qui vous oblige à le nourrir? Il nous rend bien service, il protège le pays des fées contre les gobelins. Contre qui? Les gobelins, ce sont de vilaines créatures qu'on trouve dans les contes. Le dragon les empêche d'approcher de notre pays. Il protège les fées pour qu'elles puissent exaucer les vœux des enfants. Le problème, c'est que depuis quelques semaines, nous n'avons plus le temps. Vous n'avez plus le temps d'exaucer leurs vœux? Mais vous n'avez plus envie de rendre les enfants heureux? Bien sûr que si. Nous, les fées, nous aimons aider les petites filles, les petits garçons, afin qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Mais les gobelins chaque jour nous embêtent. Ils nous pourchassent, rien ne les arrête. Le dragon est notre allié. Toute seule, on ne peut pas lutter. Oui, le dragon nous protège et il déjoue tous leurs plans. Mais il y a un problème. Ce dragon se nourrit uniquement de marshmallows. Il les rôtit et les mange. Marshmallows, ça peut sembler étrange. Faut les nourrir toute la journée. Voilà pourquoi nous sommes obligés de chaparder tous les marshmallows, jour et nuit. Pour satisfaire son appétit, faut qu'il remplisse son ventre tout rond. Les marshmallows, qu'on prend, sont pour notre dragon. Vous devez arrêter de le nourrir de marshmallows. Il ne faut pas abuser des sucreries, c'est mauvais pour la santé. Oh, mais c'est qu'il les aime tellement. Il a mangé trop de marshmallows. Qu'allons-nous faire? Lui redonner à manger? Non! Il faut le remettre sur pied, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Aidons-le à se lever et à bouger pour éliminer l'excès de sucreries. Alana est sportive, elle sait ce qu'il faut faire. Oui, je peux lui servir de coach, mais je vais avoir besoin d'aide. All right! Toujours prêt! Allons-y! Oui! Oui! Aidons le dragon à digérer en faisant une série de mouvements adaptés. Il va devoir battre des ailes, taper des pieds et onduler des hanches, comme ça. Essaie d'agiter les bras, de taper des pieds et d'onduler des hanches. Great! Veux-tu nous aider à remettre le dragon sur pied? Génial! Allez, c'est parti! Bouge les bras comme si tu avais des ailes. Bouge, bouge, bouge! Et tape des pieds bien fort comme un dragon. Tape, tape, tape! Puis ondule, ondule, ondule. Ondule des hanches. Ondule, ondule, ondule. Ondule des hanches. Il s'est levé. Ça marche. Continue à le faire bouger. Accélère le rythme. Allez. Bouge, bouge et bouge. Tape, tape et tape. Ondule, ondule, ondule. Encore plus vite. Bouge, bouge, tape, tape. Ondule, ondule, ondule. On a fait bouger le dragon. Fait bouger le dragon. Pour l'aider à digérer. On l'a même fait danser. Ça y est, ils sont là. Est-ce que le dragon est prêt? Oui, je crois. Es-tu prêt, dragon? Let's go! Regarde ses muscles! Un dragon! Oh non! Fuyons! Au secours!